Salut, c'est Nakedjo, bienvenue sur ma chaîne pour découvrir le jeu Oddworld Soulstorm sur OneGX M Pro, processeur 1160 G7, GPU Iris Xe Tiger Lake. Le jeu n'est pas super bien optimisé, il est disponible sur l'Epic Game Store. En fait, il prend pas en charge la résolution 16 dixièmes, c'est un petit peu problématique. Et puis aussi au niveau de la V5, c'est assez bizarre ce qui se passe parce que c'est-à-dire qu'on peut tourner le jeu. Là, si je mets en 720p, on peut être entre 40 et 60 FPS. Mais le problème, c'est que ça fait du tearing, du lag. C'est vraiment pas jouable en fait. J'ai capé le jeu en fait à 30 FPS sur Riva Turner. Et on a un framerate vraiment stable et très jouable en fait. Je vous conseille en fait de caper le jeu à 30 FPS. C'est mieux que d'avoir une résolution, enfin un taux de rafraîchissement yo-yo qui amène du lag et de la latence au niveau des contrôles. Donc au niveau des ombres, on est en moyen, post-traitement, on est à fond. J'ai laissé le jeu en 1366-768p. Donc c'est vraiment pas mal au niveau de la résolution. 30 FPS. Alors, au niveau des consoles de salon, donc il est sorti sur PS4, PS5, donc il est sur PS4 à 30 FPS et sur PS5 il est pas en 4K, je crois que c'est du 1440 en 60 FPS, il me semble. Je pense que c'est ça. Donc le jeu tourne exactement de la même façon sur PC, PS4, PS5, il n'y a pas vraiment de différence notable au niveau de visuel, c'est exactement la même chose sauf la résolution. Et il n'y a que les contrôles qui changent avec la PS5 qui utilise les contrôles adaptatifs. C'est l'introduction pour pas spoiler l'histoire et on est un petit peu au milieu du premier niveau. Donc je commence le jeu avec vous en fait. Thank you.
You'll never save the others. Run! Donc là, il faudrait un petit peu passer la résolution full screen borderless pour enlever l'espèce de halo sur l'écran. Donc j'ai commencé déjà le jeu pour pas spoiler l'histoire. On doit être peut-être à la fin du niveau 1.